Ceux qui me connaissent, ils s'attendent à ce que ça frappe, que ça se termine plutôt vite. Ma gauche est une pousse en fait. Pendant longtemps, je frappais avec sans me soucier de la rotation du poing. J'allais plus vite à ma cible et je faisais mouche. Le chaos, pour moi, ça passionne les foules parce que déjà, c'est bref. C'est spectaculaire, je pense que ça choque. Ça correspond à la violence que les gens viennent rechercher. Bloodsport, jusqu'au finish. L'équipe, c'est la Hatch Academy. Moi, je me sens bien, franchement, c'est familial. J'aime pas les clubs trop hiérarchisés et tout. Là, c'est vraiment, on est tous ensemble dans le même bain. Et voilà, j'aime assez. Je connais, c'est un bon sparring partner, très très bon. Entre aujourd'hui, c'est un sparring partner et hier, quand on s'était affronté. Il a super, super bien évolué. Franchement, j'apprends de lui de fou. Il me donne des bonnes techniques, des bonnes ondes. Et on se casse bien la gueule amicalement. Ça bouge pas, c'est la famille, frère. Il n'y a pas d'animosité ici. De l'instant où ça a sonné, je pense qu'on est des ennemis pendant 5 minutes. Après, on s'arrête quand même. Pas de KO à la salle. Le prochain qui se présente à moi, c'est Karara Moudi. Ce que j'ai cru entendre, ou voir même, c'est qu'il est très puissant. Il a un gros mental, donc faut pas sous-estimer ce type-là. On va se la donner bien fort.